Bonsoir tout le monde. Alors, comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, on va colorier ensemble et on va débuter par le fond. On colorie en fait, alors là j'ai protégé. On colorie dans petite poupée. Pour les colocopines, c'est plus un mystère, vous le connaissez toutes. Mais j'ai protégé, alors, comme vous voyez, avec des pochettes transparentes. Là, j'ai blindé les trucs, hein, parce que quand j'ai fait mon test pour arriver à... Ceci, j'en avais un peu partout. Et c'est ici, en fait, que j'ai mis le distress crayon. Donc, j'aimerais arriver à ça, dans la mesure du possible. J'avoue que je suis un peu stressée, parce que c'est mon premier colo dans ce livre. J'ai mis du drawing gum, comme je vous avais expliqué. Et j'aimerais, tant qu'à faire, à pas rater mon fond, hein, parce que j'ai déjà toutes mes idées en tête. Si possible, que le fond soit bien réussi, ça m'arrangerait. Je prends ça rapidement pour vous montrer comment je procède dans un coloriage. Voici ma première impression où j'ai testé, j'ai découpé après dedans, je vais vous montrer après ce que... Donc, je fais une impression imprimante toute simple et je commence à tester ce que je veux faire, les couleurs que je veux faire, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc ça c'est ma première impression. En premier temps je voulais faire ses cheveux vraiment orange mais je n'aimais pas. Donc les cheveux c'est foutu, je vais pas faire ça. Le haut, je pense que oui. La peau, bon, non, c'est à revoir complet. La queue, oui, j'aime beaucoup. On fera ça ensemble. Et la petite étoile que j'ai fait aussi. Et j'ai fait un fond. Ça me donne une idée de ce que ça donne en quelque sorte. Même si c'est pas du tout le même fond. J'aime bien avoir d'abord une petite idée de ce que ça donne avant de me lancer. Et les cheveux, on les fera comme ça. C'est beaucoup mieux. Voili, voilou. Comment je procède pour faire d'abord mes tests. On est parti? Bon, allez. Alors, on va les faire. Oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, ils sont là, donc vous avez dû comprendre qu'on va le faire. Avec les Distress Oxide, on va commencer par la plus claire jusqu'à la plus foncée. Celle-ci, je ne sais pas trop si je vais la mettre, on verra, parce que dans mon test, j'avais mis en dernier ici. Je vous remontre en dernier ici, j'avais mis de la Stazon. J'avais mis de la Stazon, celle-ci, Midnight Blue dans les coins, et cette fois, bah, évidemment, mais si, si, vous allez voir que j'ai fait l'erreur avec une Stazon d'essayer. Ça, c'est vraiment tout moi. Je sais pertinemment que c'est une encre indélébile, mais j'essaye quand même avec de l'eau. Quelquefois que ça marcherait. Oh là là, avec celle-ci. Elles sont trop belles, hein. Blue Hawaii et Midnight Blue en Stazon. Magnifique. Mais non, forcément, hein, ça ne va pas fonctionner puisque ce sont des encres indélébiles permanentes sur le verre, sur tout type de support d'ailleurs. Et en plus, c'est asséchage rapide. Mais elles ont du solvant. Ce n'est pas des encres à base d'eau. Voilà pour ce qu'il en est de mes bêtises. Donc celle-ci, on va la mettre là quelquefois. Que j'arriverai à la mettre sans m'en rendre compte. On va commencer par Temple. Glace. Mon anglais s'est pas amélioré. Hein. Je vais, dans un premier temps, bon, mettre de l'encre sur mon plastique. C'est tout simplement une pochette plastifiée. Mettre de l'eau dessus. Et on y va. Je vais en fait que ce soit plus clair au centre et pour arriver aux extrémités plus foncées. On va tenter. C'est pas dit que j'y arrive.
Mon drawing gum est un peu collant sur ma... C'est normal. On verra bien ce que ça donne. J'espère de tout cœur que j'y arrive. C'est la surprise. Par contre, entre deux, il va falloir que parfois je sèche. Je dirais à ma monteuse de vidéo de couper le son. Pour tout vous avouer, parfois c'est ma fille qui monte mes vidéos. Je vais juste sécher rapidement avant de mettre la nouvelle couleur. J'hésite, on va remettre un petit peu. C'est toujours aléatoire ce genre de fond. Hein. Sur mon test, j'aimais beaucoup. Mais est-ce que je vais avoir ça dans mon colo? Rien n'est moins sûr, hein, déjà parce qu'il y a les éléments. On verra bien. Et si Crafty, tu passes par là, je te remercie. Hein, parce que même si c'est vrai, je connais la technique depuis longtemps, hein, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je ne pense pas à faire ce genre de fond dans mes coloriages. Donc je te remercie beaucoup. J'ai déjà fait un fond différent. Attendez, je vais mettre pause, je vous reviens. Alors, en fait, j'ai déjà fait un fond avec des encres distress, mais c'était avec un tampon clear. Ah voilà, c'est plus simple. En plus, là, c'était une grande masse, donc j'avais juste à découper. Hein. C'était très simple. Et j'avais fait aussi ici, mais là, pareil, c'est avec des tampons clear où je tamponne. Genre, type fond journal, et après, j'avais rajouté un peu de distress vintage. Donc, j'aimais beaucoup, mais... C'est des techniques différentes. Là, c'est vraiment avec de l'eau. Et l'eau et moi, on n'est pas très copains. Alors, on va continuer avec Salty Ocean. Ocean, on va le dire à l'anglais. Tant qu'à faire. Cette fois, je vais essayer d'en mettre pas mal. Parce que j'aimerais que ce soit Salty Ocean et Mermaid Lagoon, mes couleurs principales. J'ai tendance à mettre trop d'eau. Mon livre, il va pas trop aimer. Mais bon, on verra. J'ai bien fait de bien protéger mon livre. J'ai vraiment bien fait. C'est peut-être, ça va peut-être bien faire. Hein. Allez savoir. Au pire, de toute façon, ce que j'ai peur, c'est vraiment le drawing gum. C'est le drawing gum qui fait plus peur que l'encre. Parce que si j'ai du mal à le retirer et que l'impression part avec, là, ma page est foutue. Après, j'ai pris le risque parce que je me suis dit... Au pire, bah, ça sera mon livre test et puis c'est tout. J'en rachèterai un autre et puis je saurai que... Au moins, je pourrais tester dans mon livre directement. Mais on va y arriver. J'ai foi. Allez, on va resécher. Attention, c'est parti. Avant de resécher... Je vais essayer d'enlever l'excédent sur le drawing gum. Il en a vu de toutes les couleurs, mon chiffon. Hein. Il est fait pour ça.
Heureusement qu'il n'y a pas de... Je vais vous montrer. Qu'il n'y a pas de recto. Parce que les techniques à l'eau, là, ça transperce. Hein. Oh là là. Bon, après... Tout devient cher et la qualité est moindre. Du coup, on tire les prix sur tout et voilà ce que ça donne. C'est dommage. Voilà. Allez. Par contre, en fait, je suis en train de réfléchir et je pense que pour les côtés. Là, je vais y aller au doigt mousse ou à la brosse. Comme celle-ci. Je pense que ça sera plus simple. Allez, on est parti pour Mermaid Lagoon. Lagoon. Vous avez le droit de rire. Mon anglais est tout pourri comme d'hab. J'essaie de pas trop pulvériser, mais bon, malgré tout, j'ai vraiment bien fait de protéger les tranches comme il fallait parce que bon, on peut pas tout protéger. Ah, tant pis. Ma page elle a dû se bouger un peu, mais c'est pas grave. Je fasse plus attention en arrivant ici. Je sais ce que je vais faire. Avant de continuer, je vais mettre du masking tape. Pour qu'il perde un peu de sa puissance, hein. J'ai pas envie qu'il reste collé. Comme ça, au moins, je pourrais aller vraiment ici. Si j'arrive bien à le mettre. Pas comme une bobourse. Voilà. Ça protégera les gens un peu mieux. Hop, chiffon. Ce qui est bizarre, c'est que on voit pas trop la différence entre Salty Ocean et j'ai l'impression que tout ce fond qui est très bizarre. Regardez ici, on avait vraiment une différence de couleur en fait. J'avais terminé par Uncertain Marine dessus. Non, j'ai plus, je sais plus, j'ai un doute. Ouf. Peacock peut-être. Je ne sais plus, j'ai un doute. J'aurais dû noter un, hein, c'est pas grave. Mais là, on a l'impression que vraiment les couleurs, elles sont. Comment je peux. J'en bafouille tellement je n'arrive pas à vous expliquer. On n'a pas de différence de couleur. C'est bizarre.
trop bizarre. Bon, on va faire Uncharted. Alors franchement, celui-ci, j'arrive jamais à le dire. Uncharted Mariner. Ouais, c'est ça. Ici, plus sur les côtés. Ma concentration me bloque. Mais je suis bien là, hein. J'ai l'impression que ça fait un carnage. Livre test. Y a de grandes chances. On va voir, hein. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Vaut mieux boire un peu d'eau. Alors, voyons. J'hésite. En fait, le Blue Hawaii, je vais la remettre un petit peu après sur les côtés et la Midnight aussi. Il y a encore beaucoup de blanc. Alors, au centre, je voulais vraiment qu'il y a plus de blanc, même si c'est les fonds marins. Mais bon, pas trop non plus. Donc, je pense qu'on va repartir un peu avec le Salty. Ocean ou le Mermaid Lagoon? Mon nuancier. Je suis bête. Bon, après, c'est mieux de voir comme ça. Mermaid Lagoon. Ocean. Ouais, c'était bien le pic aux cuissières que j'avais rajouté au-dessus. Est-ce qu'on met du price ribbon sur les côtés? Ou du... C'est mieux de regarder sur celle-ci. Du price ribbon. Ça fait pas très mer, Price Ribbon. Le Mermaid Lagoon, j'aime bien. On va remettre un petit peu de Salty Ocean un peu plus ici, Mermaid Lagoon un peu plus au-dessus. On repart avec du Uncharted. Je vais un peu sécher avant.
Je voudrais pas non plus brûler le drawing gum, parce que sinon ça va nous faire une catastrophe sans nom. Bon, après, faut tester, hein. Comme ça, à l'avenir, je saurai si je peux bien sécher le drawing gum ou pas. Après, si c'est une catastrophe, au pire, je publie pas la vidéo, puis personne ne le sait. Non, je suis pas capable de faire ça, je m'en fiche. Autant publier aussi ses erreurs. Comme ça, on montre qu'on est tous capables de faire des erreurs. Donc j'ai mis moins d'eau, un peu plus d'encre. Ouais, c'est plus sur le côté. Donc là, on était avec le Salty Ocean. D'accord? Il y en a encore un peu. Ça, c'est mon fils. Que je vous avais déjà dit, mon fils a 13 ans et ma fille va sur ses 18 ans. Ah là là. C'est marrant, hein, comme on a l'impression qu'ils sont toujours bébés. Enfin, pour ma part, même si je sais qu'ils sont grands, je les vois toujours bébés. Bon, je suis sûre que les mamans là derrière les cam là derrière là, votre téléviseur ou téléphone, sûr, vous pensez comme moi. Ça sera toujours nos bébés. Voilà. Quand j'aurai terminé le fond, je vais le laisser sécher tranquille ou bilou. Toute la nuit et demain on poursuit. Bon, après le reste, pour le reste, j'ai moins peur. Le reste, ça va aller finger in the noise, on va dire. Allez, on est reparti pour. Est-ce que je sèche encore? Ouais, il vaut mieux sécher. Hein. Voyons voir. Ah oui, mais je peux pas bousiller mes doigts roux, doigts mousse à la rescousse. Doigts mousse de celui-ci. Donc, c'est la Stezen Blue Hawaii. Vous voyez bien, hein? Ouais. Alors, je vais laisser un peu, comme je vous avais dit, je vais laisser du blanc. Mais je veux faire vraiment ici de la foncée dans les coins. On va faire très foncé. On est encore bien mouillé le papier quand même. Après, mon oncle Stéphane ne craint rien. Hein. C'est différent de mon test. Ça donne pas du tout la même chose. Alors que j'ai fait la même chose.
Comme quoi, les papiers, ça joue vraiment. Bon, comme si que je le... Comme si je le découvrais. Alors, il faut savoir que la Stézone, ça bousille les doigts mousses. J'appuie pas trop. Hein. Mais ça les bousille quand même. Je m'en suis rendu compte surtout avec le français. Alors, où je vais laisser du blanc, on va essayer de pas trop appuyer. Enfin, moins appuyer. Parce que j'appuie pas tant que ça. Hop, là, c'est pas mal, hein. Bon, on reviendra plus tard avec le capuchon. Il est là. Je vais juste aller chercher un doigt mousse pour la foncer. Alors là, Midnight Blue. J'aime beaucoup, hein, ça. Il est foncé, mais j'aime beaucoup. Hop, et là, on va bien mettre sur. Je pense qu'il faut que j'attende que le papier soit sec. Ça va me faire des traces. Vaudra mieux. Oui, bon, bah alors pour la Midnight Blue, on fera plus tard. Là, je vais bien laisser sécher parce que bon, pour l'instant, j'aime le rendu. Et je reviendrai avec vous. Là, je vais bien laisser sécher. Je touche plus à rien. Je range tout. Et demain, je ferai mieux les contours. Et puis, on essaiera d'enlever le drawing gum. Donc, la suite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Bisous. Salut les amis! Alors, en fait, pour vous, c'est juste après, mais pour moi, c'est le lendemain de ce qu'on a fait hier concernant le fond de ce joli coloriage. Ce que je veux faire, je vais mettre vraiment un peu de Stézone avant, un peu sur les côtés, refoncer le tour avec les deux Stézones et on va voir si ensuite. On reprend au distress ou pas. Parce que bon, je voudrais pas non plus. Bon, après, je vous avais déjà dit, hein, je m'en fiche un peu de ce qu'il y a derrière. Et ça, je vous montrerai pourquoi plus tard. Ce que j'ai peur, c'est que ça enlève mon drawing gum, la Stézone. Ça a l'air de fonctionner. Alors, ne faites pas attention, j'ai une tache sur ma veste. C'est un technicien qui est venu à la maison pour bon après ça ne vous regarde pas mais pour mes toilettes et il a laissé en fait du silicone blanc au sol et en nettoyant ma veste elle a pris cher et je m'en suis pas rendu compte tout de suite donc voilà j'ai nettoyé bon après ça part bien mais je pensais pas que c'était du silicone au départ comme ça vous savez tout. J'aime beaucoup cette couleur. Par contre, vraiment, les Stézones abîment beaucoup les doigts moussants. Ça, je m'en rends compte énormément. Je vais pas tout. Mettre du bleu partout. Alors ici ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment je vais faire pour y accéder parce que bon la Stézone s'attache.
On va le faire avec le Mermaid Lagoon, mais... Oh. Attendez. Avec cette petite brosse, ça devrait le faire. Ici, je vais reprendre le foncé. Il faut que je trouve un foncé dans mes distresses. C'est vraiment ok, trop. Ouais, c'est vraiment rigolo, hein, parce que elle a vraiment cette teinte de bleu lagon, enfin, la même que le couvercle. Mais mouillé, c'est vraiment. Bah après, c'est normal, hein, c'est du stress oxide. Je fais comme si je savais pas, mais. Là. Mais ça me surprend tout le temps. Hop. Ici, on va remettre où j'aimerais que ce soit. J'espère que ça n'enlève pas mon drawing gum en même temps, parce que ça me fait peur. Voilà. Voilà, maintenant on va prendre le foncé. Pas facile avec la page qui est cornée. Ce bleu nuit, il est vraiment magnifique. On va mettre comme on peut. Hop. Évidemment, c'est pas sec, mais bon, mes doigts ils ont l'habitude d'être bleus en ce moment. Bon, le fond, je m'attendais à. Bon, après, je peux pas parier que ça va être moche, mais je m'attendais à mieux. Mais on n'a pas encore retiré le drawing gum, on verra bien. À partir des fétistes. Essayer d'arranger ça. Je vais même utiliser un peu de distress crayon. Pour l'instant, juste ce soir, je vais terminer comme je voulais, c'est-à-dire foncer les extrémités. Foncer les extrémités. J'aurais voulu foncer un peu aussi vraiment le tour, mais bon. Comme j'ai pas trop accès ici, alors je veux pas le faire ici. Peut-être un peu plus ici. Même si c'est protégé en dessous. Va faire léger, léger. Pas trop appuyé. Ici, c'est bien, j'aime bien. On va retourner le lit et ce sera plus pratique pour moi.
Je vais essayer avec un coton-tige. Ah, le problème, c'est que ça fait des grosses traces. C'est pas la peine. Pas la peine, tant pis. Si je fonce, je foncerai autrement. On verra. Peut-être avec un crayon pastel, peut-être. Je ne sais pas. Nous verrons. Hop, voyons ce que ça donne avant de continuer sur ma lancée. Ça m'a l'air pas mal. Je voulais vraiment que ça reste blanc autour. J'hésite à laisser blanc autour d'elle, comme si ça faisait, enfin comme si elle scintillait en fait. Donc je pense que je vais laisser comme ça. C'est pas mal, j'aime bien. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je vais essayer de mettre un petit peu de, je sais pas, on va voir si c'est la tupette saphir. Est-ce que ça fait à peu près les mêmes? Non, c'est pas du tout ça. J'ai pas de distress très foncé. Pourtant, il fait foncé sur le papier, mais sur le papier, on dirait la même chose. Mais finalement, non. Hop. Donc, ouais, pourtant, Price Ribbon et Saphir, il faisait mieux. On distrait. Ah, ben vous voyez rien, non, mais n'importe quoi. Je fais le tour tout le temps. On dirait la même chose alors que c'est pas du tout la même chose. Bon. On va faire un petit peu quand même. On verra bien. Au pire des cas, je ferai ici. Ça va pas, on laisse comme ça, puis c'est tout. Ça fera des effets de texture. On rattrape le coton-tige. Non, c'est pas mal. On rattrape un peu la trace ici. Parce que les Distress Oxide sont très opaques et ça rattrape les bêtises quand elles sont appliquées sans eau. À mon avis. Après, ça n'engage que moi. J'ai rattrapé un fond comme ça. Je vais vous montrer. En fait, j'ai rattrapé un fond. J'avais commencé. Alors, je sais pas si vous. Voilà, si on le voit là. Vous voyez, il y avait des. J'ai commencé au Salty Crayon Action. Et ça faisait un carnage. On voyait des traces et tout. Et j'ai rattrapé par-dessus aux encres Distress. Heureusement d'ailleurs. Alors, ici, vous voyez pas, mais. Ah, si, vous voyez un petit peu. Il y a en fait du crayon. Stylo gel. Ou du stylo artistro, ouais. Non, c'est du et là c'est du métallique, le cœur vert métallique. On voit pas très bien à la caméra, mais hop. En fait, il m'a été inspiré par Audrey. Je l'avais déjà dit hein, quand je vous ai fait ma présentation, par Audrey Mog. Et mon problème, c'est que j'adore regarder moi les chaînes des colocopines, mais je n'aime pas regarder les coloriages des autres. Parce qu'une fois que j'ai, je l'ai déjà dit sur la chaîne de Barbara, une fois que j'ai le coloriage en tête, j'arrive pas à me le défaire. Et ça,
Ça, c'est un réel problème pour moi. Pourtant, bah, après, je déteste. Bah, après, ça dépend. Par exemple, je vais dire, je déteste faire le même que les colocopies. Pas forcément, parce que celui du lapin où j'ai reproduit le tuto de Barbara, mais là, c'était normal, puisque les couleurs sont déjà données sur le poche. Oui, le livre poche. Où là, j'ai reproduit le lapin et c'était normal. C'était les couleurs qui étaient données, je me répète. Mais par contre, une fois que je vois un livre d'une colocopine, j'arrive pas à m'en défaire et ça, c'est un réel problème pour moi. Donc, ça m'embête. Du coup, je rate beaucoup de vidéos à cause de ça. Donc souvent j'essaie de regarder leurs tutos quand j'ai pas le livre. Bon, c'est pas mal. Ici, on va reprendre un petit peu finalement. Ça passe bien. Je voulais pas de blanc là, mais le blanc ne veut pas partir. Alors. Il faudrait une petite ronde. Alors, la petite ronde que j'ai eue, moi, elle est mal formée. Vous voyez? Il manque des poils. C'est pas grave. Alors, c'était ici. C'est bizarre, j'y arrive pas. Peut-être parce qu'il y a du drawing, j'ai pas fait attention. Moi, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai qu'à la caméra, en fait, ça ressort vraiment très net, mais c'est pas comme ça. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Je vais laisser sécher encore. Alors, le drawing gum, il paraît comme ça, il paraît violet, bizarre. Non, il est bleu. On verra ce que ça donne quand on va retirer le drawing gum. Bon, c'est ce que j'avais en tête. J'espère que. Bon, bah, la suite au prochain numéro. Donc là, je laisse bien sécher. Demain, on retire le drawing gum ensemble. Après que j'ai retiré le drawing gum, je pense que je vais repasser ma page pour qu'elle soit plus aplatie. Et on est parti pour le colo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain. Bisous! Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui, le lendemain pour moi et tout de suite pour vous, pour retirer ce fameux drawing gum. Alors, il y a encore un peu d'encre bleue dessus. Mais on va essayer de faire en sorte de ne pas tâcher. Ça va être la surprise. Je vais prendre un petit bout de film plastique. On va voir. On va voir comment je vais faire. Habituellement, je retire au doigt, mais comme il y a de l'encre. En sorte. Voilà. J'ai zoomé hein, pour que vous voyez bien, mais bon. Alors, on va procéder par élimination. Bon, ça m'a pas allé. Mais en tout cas, il y a encore bien du bleu. Bon, après, mes doigts, je m'en fiche qu'ils sont sales. C'est pas ça, c'est que j'ai peur que ça tache le colo. Pas que mes doigts sont trop bleus.
Je vais faire attention au fur et à mesure. Ouais, ici, il y a encore beaucoup de bleu. Ah là là. Est-ce qu'après la gomme ça part? Ouais, ça va, ça part. Mais je vais pas faire trop de bêtises non plus. Je préfère prendre mon temps, aller doucement. Pour l'instant, ça fonctionne. Ah, le souci, c'est ça. Hein. Pardon. En l'enlevant, j'ai peur de tacher le dessous. Que je tache le Dwingo, on s'en fout. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Mais ça m'agace avec le film plastique, ça aurait été pas mal, mais c'est pas terrible. J'ai pas assez de. Voilà. Bon, ça va, ça part à la gomme, mais de toute façon, j'ai l'intention de faire au feutre à alcool les feuilles, les enfin, feuilles, les algues. Mais vous m'avez compris. Ah là là. Mon Dieu. On a quand même. Bon, après, je rattraperai en grande couleur.
Ça te racole comme couleur, mais bon. Tant qu'à faire s'il n'y a pas d'encre bleue sur. En dessous où il y a le drawing gomme, ça m'arrangerait bien. C'est plus facile où j'ai pas mis la Stazen. Mais je le savais, hein, c'est à ce qu'à prendre. Pour ça que j'aimerais enlever, tant qu'à faire, il y a le bleu foncé avant. Ensuite, je lave mes mains et au milieu, ça devrait aller relativement bien. Bon, en tout cas, je suis rassurée sur une chose, c'est que l'impression ne part pas au drawing gomme. Parce que c'est déjà arrivé sur certains papiers un peu moins, enfin un peu plus bas de gamme. Ou alors peut-être c'était à cause du drawing gomme, hein, qui était assez vieux, je sais pas. Il y a plein de choses aléatoires qu'on ne prend pas en compte. Je vais être encore schtroumpfette. J'essaie d'enlever le drawing gum sans faire trop de frottement pour éviter de mettre tout le bleu que vous voyez sur l'algue blanche. Mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais après, ça s'en va bien à la gomme. Si je frotte tout de suite, parce qu'à mon avis, en séchant, ça sera fichu. Je mets pause, je vais me laver les mains, je reviens. Air, c'est reparti. C'est reparti. C'est vraiment où il y a la Stazen que qui ne sèche pas très bien sur le drawing gum. Ah, je vais laver mes mains, elles sont déjà toutes sales. Si je dois me laver les mains tous les 2 minutes, ça va être pénible quand même. Bon, vous avez vu le principe. Je vais terminer hors caméra
Et après, on se retrouve pour la mise en couleur. À bientôt. Enfin, plutôt. À tout de suite. Tadam! Après avoir enlevé tout le drawing gum, avoir galéré un peu, je dois avouer, je continue de gommer par certains endroits. Alors, ce qui m'embête le plus, c'est ici sur son bras. Mais au pire, on lui fera un tatouage. Je rigole. Dans les cheveux, et bon, après, c'est le jeu. On sait très bien que lorsqu'on fait ce genre de technique, il restera des petites traces bleues. Mais dans l'ensemble, j'aime bien mon fond. Je vais dézoomer un petit peu parce que là, vous voyez pas tout. Oui, c'est le bazar. Mais ce que je voulais, c'est vraiment qu'au centre, ce soit plus clair et aux extrémités un peu plus foncé. Ça va. Après, bon, j'ai toujours moyen de rattraper où il y a des zones où ça me plaît moins et surtout où j'avais mis du drawing gum mais il ne devrait pas en avoir. Ça, je rattraperai soit comme couleur ou. On verra bien. On le fera ensemble. Parce que on va essayer de faire tout ce coloriage ensemble. Alors, c'est une première pour moi. Habituellement, je ne fais jamais. Bah, forcément, hein, j'ai jamais fait de vidéo. Enfin, de coloriage, ça y est. De coloriage en vidéo. Moi qui suis perfectionniste. Alors parfois c'est une qualité, mais parfois c'est un défaut. Parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. Alors j'essaie de gommer. Ou vraiment. Il y a encore des traces bleues. Ouais, c'est vraiment celle-ci qui m'embête le plus, mais j'ai pas envie de faire un trou non plus dans le papier. Ici, dans les cheveux, je m'en fiche, je sais que ça va être recouvert. De toute façon, je ferai une base au feutre à alcool pour sa peau et je repasserai grande couleur, j'aurais pas le choix. Je voulais faire sa peau. Pardon. Dans mon test que je vous ai montré, on va regarder ses cheveux, ce ne seront pas faits comme ça. Ici, j'ai fait uniquement au feutre à alcool et j'ai. J'aime pas trop comment j'ai fait. Bon, après. Ah, c'est rigolo, vous n'avez pas le même rendu que moi. Moi, c'est un peu plus rose, rouge, et vous. C'est. Oh, c'est marrant, ça. Enfin, chaque fois, je fais comme si je découvrais, alors que je le sais, puisque souvent, je fais des photos et ça ne rend pas la même chose que ce que je fais. Mais ça me surprend toujours, c'est ça. C'est difficile de montrer vraiment la même couleur que ce qu'on fait. Alors, je vais appeler mon petit Marcel. C'est efficace, hein? Ça fait longtemps que je l'ai, Marcel. Hein. Ça doit faire depuis 2018 en même temps que j'ai cousu. 2019. Ouais. Dans ces eaux-là. Je l'avais acheté sur AliExpress. Au départ, c'était pour retirer les fils. Parce que quand on cousu et où on découd, on a des fils partout. Mais en coloriage, il est bien pratique aussi. Et à mon travail, j'appelle mon aspirateur Marcel. Donc ici, c'est Mini Marcel. Si ma collègue regarde ma vidéo, elle va rigoler, elle comprendra. D'ailleurs, bon, cette fois, le fond est terminé. On se revoit pour la mise en couleur. Gros bisous, à bientôt!